Salut à tous, c'est HR396, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ben moi ça va super. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo 4 en 1. Donc 4 petits véhicules qui ne méritaient pas un tutoriel rien que pour eux, parce que sinon ça aurait fait trop court. Donc 4 véhicules très 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 simples à faire. Et donc on passe tout de suite au tutoriel du premier, qui est une brouette. Donc pour cette brouette c'est très simple. Vous aurez besoin d'un entonnoir, d'un portail. Je vous conseille de prendre le bois de sapin. Je ne suis pas encore à passer à 1.8 à cause des shaders et d'Optifine. Donc prenez la barrière que vous voulez. Des blocs noirs, blocs de charbon ou blocs de laine, c'est égal. Et deux items frais. Alors comment faire? Ben, c'est très simple. On pose un portail. On se pose devant lui, on fait shift clic, clac, comme ceci. On va ouvrir le portail dans ce sens-là pour faire les poignées de la brouette. On va de nouveau faire shift-clic sur l'entonnoir et on va pouvoir poser justement les blocs pour faire les roues de la brouette. Ce qui est pratique dans cette brouette, bon, ça peut faire joli si vous avez un petit jardin, et c'est une brouette aussi utilitaire parce que vous pouvez poser à l'intérieur de votre brouette les éléments dont vous n'avez pas besoin, comme de la terre par exemple ici. Donc si vous avez une petite maison survival et vous ne savez pas quoi foutre de votre terre, ben, ça peut faire très joli dans votre jardin, une petite brouette pour caser la terre que vous n'avez pas à vous foutre dans votre coffre. Et donc, on passe au deuxième élément. Et donc, deuxième élément, élément très simple, c'est juste un caddie de supermarché, comme ceci. Et donc, on passe tout de suite au tutoriel de ce caddie. Alors, pour ce caddie, c'est très simple. Vous aurez juste besoin d'un portail pour faire les poignées, d'un minecart, d'une rail et d'un bloc. Donc, il y a deux manières de le faire. La manière économique, c'est simplement de poser le rail, de poser le minecart. Poser ça comme ça, là ça serait fait, mais un truc pas très joli, vous voyez on a cette rail en dessous qui est vraiment pas très joli, donc vous allez faire la même chose. Donc on va poser le portail, on va l'ouvrir comme ceci, on va poser devant un bloc, le bloc que vous voulez, on va poser une rail, le minecart, et on va casser le bloc, ce qui va avoir comme effet de casser la rail, et donc vous aurez vraiment un joli petit caddie supermarché dans lequel vous pouvez mettre vos achats. Prochain élément. Et voilà, donc notre troisième élément, troisième petite construction, est une poussette lando, hein, très très simple à réaliser. Et donc, ben, on va passer au tutoriel de cette troisième élément. Alors, pour cette poussette, c'est très simple. Vous aurez besoin de deux escaliers en quartz, d'une demi-dalle en quartz, comme d'habitude, pour les poignées d'un portail. Et pour les roues, il y a deux façons de les faire. Soit vous êtes en créatif, vous pouvez utiliser des têtes de wizard, ce que j'aime bien. Par contre, c'est sûr que si vous êtes en survival, ça risque d'être un peu embêtant, hein. Un peu troll pour aller les chercher. Donc, utilisez comme avant pour la boîte des items frames et un bloc noir. Alors, pour le faire, c'est très simple. Vous aurez besoin, vous allez poser un escalier à l'envers comme ceci. Un autre escalier à l'envers. Là, ça vous fait la poussette, le dessous de la poussette. Ici, vous allez poser une dalle pour faire comme si c'était comme sur les poussettes. Je ne sais pas si vous voyez, mais le truc pour faire de l'ombre au bébé. Et ensuite, là, soit vous posez comme pour les roues, ça, des choses comme ça. Soit vous posez avec vos têtes de wizard, vous posez ici, 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 et ici, des roues. Et devant, vous allez pouvoir poser quelque chose comme ça. Ensuite, petite astuce, c'est pas obligatoire, mais si vous voulez avoir un petit bébé dans votre lambeau, vous pouvez poser un item frame. Et une petite tête ou directement la petite tête ici. Petite tête qui, à vrai dire, a l'air très très buggy. Donc voilà, poussette terminée. Et donc le quatrième et dernier élément, qui doit être le plus grand élément qu'on va faire aujourd'hui, c'est une tondeuse à gazon, hein, mais pas les petites tondeuses à gazon qu'on pousse, c'est tondeuse à gazon qu'on peut voir dans les stades de foot ou dans les grandes prairies d'herbe, hein, avec un siège au-dessus sur lesquels on peut être assis et la piloter. Et donc on passe au tutoriel. Et voilà, et donc pour ce dernier tutoriel, vous aurez besoin d'une échelle pour faire la grille d'aération, de deux blocs verts, de deux blocs que la tondeuse vous voulez, de trappe d'or, donc de trappe, d'un panneau solaire, d'un bloc de briques chiselées, donc pour faire le moteur, d'un levier pour piloter la chose, de quatre vitres teintées noires, de 5 item frames et de 4 boutons. Donc c'est très simple. On va commencer
par les pseudo-roues. Donc on va poser nos deux blocs verts comme ceci, à un d'écart. Au centre, on va poser ça justement pour faire le moteur. Voilà. Vous choisissez de quel côté ça va être l'avant. Pour moi, ça va être ici. Donc la grille d'aération. Voilà. Et là, on va déjà pouvoir commencer à faire les roues. Donc des item frames sur chaque bout, comme ceci. Et du vert noir à l'intérieur des item frames pour faire des roues un peu plus grandes. Ensuite, des boutons au centre pour faire le centre des roues, comme ceci. Voilà. Ensuite, sur le bord, on va pouvoir poser des trapdoors. Si vous êtes en 1.8, je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment les trapdoors en fer ou en acier, parce que ça fera beaucoup plus choses qui coupent. Vous voyez les hélices, ouais, c'est pas vraiment des hélices, mais qui coupent l'air, donc ça, c'est censé représenter ça. Donc prenez les trappes en fer si vous êtes en 1.8. Ensuite, pour la suite, on va poser au-dessus des engins un panneau solaire pour faire le siège. Derrière ce panneau solaire, on va poser un item frame et encore un panneau pour faire le dossier justement de notre siège, comme ceci. Et devant, on va simplement poser un levier pour qu'il puisse diriger. Donc, soit vous le posez comme ça pour faire genre avant-arrière, soit vous pouvez simplement le poser sur le côté pour faire gauche-droite, gauche-droite. À vous de choisir. À vous de choisir. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie. Donc, ça, si notre machine elle va par là, hein, justement. Donc, ici, on va poser le truc. Donc, chaque fois, vous voyez le dossier de la chaise. Donc, on va ici. Donc, elle avance par là. Et donc, voilà. Ce tutoriel est à présent terminé. Je vous invite à, dans les commentaires, à voter pour le prochain grand projet que je vais réaliser. Donc, à voter entre les trois propositions que j'ai mises, donc en likant le commentaire. Et si vous avez d'autres propositions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et sinon, on se retrouve mercredi prochain. Ciao, ciao!